Une nouvelle fois, la pole à gauche, choisie par le poleman. Il a raison, Christophe, c'est là que ça m'entriche le mieux. On va le voir sûrement au départ. Attends, et on le voit pas. Le départ de Giordano. J'ai dit une bêtise totale et Giordano me fait mentir. Il a raison. Fantastique départ de Giordano devant Christophe Ferrier qui s'est fait avoir comme un débutant. Alors que le rallyman a pris les commandes. Ah dis donc, le départ du rallyman, c'est vrai qu'il a dû voir le panneau 3-2-1-0 et partir. Et il a fait un départ fantastique, Quentin Giordano. Fantastique, quel départ. Il a essayé, Christophe, de fermer la porte, mais c'était trop tard. Et il a dû se résoudre à aller derrière la voiture du leader maintenant de cette finale. C'est-à-dire Quentin Giordano, première saison sur Landau, c'est déjà du métier. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir le retour de Christophe Ferrier. Parce que Ferrier, sur ses terres, il ne peut pas ne pas gagner ici. Il le sait, il va attaquer. Le voilà qui attaque. Christophe Ferrier, attention de ne pas trop surconduire. Ouais, mais il y a des écarts déjà. Giordano devant, Ferrier à 1 seconde 8, Rivière à 3,5, Olivier Pernod à 5,5. Les écarts se sont creusés déjà. Eh oui. Backroute très loin. Et il n'y en a qu'un qui reste pour l'instant au contact, c'est Ferrier. Et même Ferrier est un peu largué par Quentin Giordano. Oh, il attaque Christophe. Là, il est en train de faire une attaque, Christophe, dans ce tour-là, tenter de revenir. Il ne veut pas être deuxième. Hein. Il ne veut pas. Mais il fallait démarrer. Et pourquoi il n'a pas démarré? Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il était en train de bouquiner ou quoi? Il faisait la checklist. Sans doute. Non, il était en train de se dire, mais c'est pas croyable. Bansard était dans la finale. Et en se disant ça, hop, il a oublié. Ben voilà. En attendant, Quentin Giordano, il fait la bonne opération, Quentin, puisqu'il est en tête. Il prend le record du tour. Oh là. Et il a 2,5 secondes d'avance sur Christophe Ferrier et presque 5 secondes sur Benjamin Rivière, alors que nous ne sommes pas encore à mi-course. Hein. Oui, Benjamin Rivière, troisième, ça ne lui ressemble pas non plus. Ben non. Surtout qu'il a, il a le potentiel là, parmi les concurrents à être devant, hein, tout devant même. Et oui. C'est le plus capé. Oui, mais le début de saison de Benjamin Rivière n'est pas ce qu'on attendait de lui. Ben, il faut aussi trouver ses marques dans ces toutes nouvelles voitures, que les équipes trouvent les solutions. Donc, c'est beaucoup de boulot. Hélas, il est plutôt ruisseau que rivière. En ce moment, exactement. Oui, petit rue. Mais bientôt, il va redevenir fleuve. Eh ben, on l'espère. En attendant, Quentin Giordano a, je crois, encore augmenté son avance. Oh la vache. Ah ouais, mais enfin, il est en train de faire un récital. La Quentin, 4 secondes 7 d'avance sur Ferrier. Et j'ai l'impression que Benjamin Rivière est en train de revenir un petit peu sur Ferrier. Il revient sur Ferrier. Attention à la bagarre entre Rivière et Ferrier. Ça, c'est un grand classique du Trophée en bronze avec Rivière à gauche à l'intérieur. Qui part Non, il n'y arrive pas. Oh, le passage de Ferrier encore. Il est presque en marche arrière là-bas dans le centre du circuit. Ah oui, formidable. Formidable attaque de Benjamin Rivière qui nous a entendu sûrement, qui revient sur Christophe Ferrier. Ça, c'est un grand classique du Trophée. Ferrier sait bien fermer les portes, mais Benjamin sait bien les ouvrir. Ah, écoute, on va regarder ce qui se passe à partir du deuxième, hein, parce que le premier, il continue sa balade tranquille, toujours avec le record du tour. Il nous casse les pieds, le premier. Hein, il nous casse les pieds. Allez, Ferrier, toujours à l'attaque. Benjamin Rivière qui est revenu, c'est vrai, puisque l'écart maintenant est d'une seconde à peu près entre les deux pilotes. Rivière, Ferrier, fermé. Ferrier ferme et Rivière cool. Et pour l'instant, la Rivière n'arrive pas à revenir sur Ferrier. Il a encore une possibilité. Il est vrai que Ferrier conduit très très bien. À part le départ, il n'y a rien à lui reprocher. Hein. Exactement, mais ça va tellement vite cette finale que lorsque les pilotes vont passer sur la ligne de chrono, ça signifie que c'est le dernier tour déjà. Oui, mais jamais il n'a été aussi près. Il est passé, Rivière. C'est pas possible. Si, Ferrier est en train de perdre 2-3 points. Allez, il est au ralenti, Christophe Ferrier. C'est ce que je voulais te dire. Et voilà. Ferrier a cassé quelque chose, je pense. Mais journée noire pour Christophe Ferrier lui, ici à Isola 2000. Et pendant ce temps-là, Quentin Giordano, lui, va aller normalement remporter cette finale. Il lui reste 3 virages avant de passer le drapeau à damier. Il continue, Christophe, là, mais ça doit être sous le casque terrible pour le pilote d'Isola 2000. Ah oui, bon, écoute. Terrible journée et on attend dans quelques secondes maintenant le vainqueur de cette finale Elite Pro, Quentin Giordano, première saison sur Landros. Première victoire. Lui qui vient du championnat de France des rallyes. Et le voilà, des drapeaux à damier sur la voiture de Quentin Giordano et victoire. Et record du tour normalement, à moins que dans le dernier tour, quelqu'un essaye de lui souffler, mais compte tenu des bagarres qu'il y a eu, ça va être compliqué. Donc le petit point supplémentaire. Deuxième place pour Benjamin Rivière qui a refait un petit peu l'aérodynamique de la voiture. Troisième place pour Olivier Pernod. Mais
les écarts sont énormes. Hein. Ouais. Et ensuite, on va retrouver Andreas Backrud. Imaginez, 8 secondes entre le premier et le deuxième. Après, le troisième est à 10 secondes. Andreas Backrud à 16 secondes. Et malheureusement, Christophe Ferrier est encore plus loin avec une nouvelle fois des soucis sur sa voiture.